reaching out with open arms. I can feel your heart reaching out into the dark. I can feel your heart reaching out with open arms. I can feel your heart reaching out into the dark. Chapter.
Allez, c'est parti. On revient et du coup, on sait plus du tout comment quitter les streams. Ou comment. Un petit peu, il y a un truc que j'ai mal mangé, ça. Enfin, c'est pas le truc. Et bah, merci de plus. Je ne sais plus. Demande le temps que moi je m'en mette dans les. Fight. Perfect. Mais on va faire avec. C'est un bordel. C'est au jour de bois. Hop. Ça fait un peu bizarre, j'ai envie de dire. De revenir. Pour être honnête, ça fait un peu bizarre parce que j'ai pas beaucoup communiqué non plus ces derniers mois. Pas passé normalement. Garçon. Et donc du coup j'ai même du mal maintenant, je me suis rendu compte que j'ai du mal les interprètes. Pas assez. Les dehors et pas. Un petit peu. Pour aujourd'hui, j'avais mis 4 heures au départ. C'est pas le terme en français. D'habitude, vous savez que j'ai du mal à tenir. Et en général, là on va voir. On se parle comme ça. Et on va voir. On se prendre aussi. Et les avec eux. Et il y en a beaucoup. Mais notamment sur Miles Morales. On m'avait aussi commencé hier. Il y a 6 pas. Et en virage à la à C4, tu vois. Voilà pour le moment. J'aimerais bien. Scénaristique, relatif. Je me suis rendu compte que j'en. Pas grand chose de régulier comme forcément. Et,
en train de discuter notamment sur ça, déjà moi à titre il manque pas mal de livres. J'aime bien quoi pas lire depuis un moment tant d'années hein. Si ça se trouve, j'ai parlé pendant je ne sais pas combien de temps. Ah oui, c'est mieux là? Est-ce que c'est mieux? Attends, test 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, soleil. Ouais, je crois qu'il y avait un souci de micro. Oh, pas de soucis, Elodie. Est-ce que tu m'entends bien ou pas? Parce que je crois que depuis le début, j'avais un souci de micro. Donc du coup, c'était peut-être pas clair. Quoi de prévu alors pour ce stream? Mais écoute, ça va dépendre. Ça va dépendre de vous. Ok, nickel, merci. En vrai, on peut faire un jeu multi. Donc, t'avais le son mute en plus. Bon, c'est pas grave, je regarderai sur la rediff. Ce que j'étais en train de dire à ce niveau-là, c'était qu'on va essayer de partir sur 2 streams par semaine et que on va du coup reprendre les let's play que j'avais laissé en pause il y a un petit moment. Donc il y avait Miles Morales, il y avait Hogwarts Legacy et le troisième que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus. Je sais plus. Et par contre, on aura Assassin's Creed Mirage, je sais qu'on va commencer. J'ai vraiment hâte de le faire parce que j'ai rejoué beaucoup à Assassin's Creed cet été, surtout le 4 qui est mon préféré de la série. Et mine de rien, ça faisait un moment quand tu vois, quand t'es au bout d'un moment, tu fais pas beaucoup d'Assassin's Creed, tu dis c'est quand même une bonne licence. Ça m'avait manqué un petit peu quand même. Donc voilà, on va repartir là-dessus. On va en profiter. Pour moi, j'ai regardé rien du tout pour éviter de me spoil en fait. D'autant que le jeu est relativement court de ce qu'on m'a dit, donc ça devrait le faire. Et pour le stream d'aujourd'hui, oui, je disais aussi que je suis en train de regarder pour faire des streams ASMR. Le seul truc, c'est que je voudrais faire des ASMR lecture, mais par contre, comme je suis dans un appart, j'ai pas pris tous mes livres avec moi parce que l'appart, en fait, vous voyez l'appart. Y a une toute petite pièce cuisine. Par là, et il y a une toute petite salle de bain par là, donc autant dire que j'ai pas énormément de place et que j'ai pas pu prendre tous mes livres avec moi, donc il faudrait que je fasse un aller-retour chez mes parents pour en fait aller récupérer des livres. Et ouais, bah de toute façon, je voulais le faire depuis un moment aussi. On m'a aussi fait comprendre que j'avais une belle voix également. Je sais pas, une certaine personne qui arrêtait pas de me le dire, entre autres. Oui, c'est vrai, il y a la bibliothèque municipale pour emprunter, effectivement. Il faudrait que je regarde aussi. Et de voir le genre de livre qui est approprié. J'ai déjà fait un petit peu une liste, mais par exemple, moi, des livres que j'ai ici, j'ai des pièces de théâtre. J'ai Alfred de Musset, Lorenzaccio, que moi j'adore personnellement, mais à proposer en live ASMR, c'est un petit peu compliqué. Voilà, je pense que ça, quand je le commencerai, ce sera plutôt vers la fin de l'année. On va avoir déjà essayé d'avoir une routine là-dessus carrée au niveau des streams de jeux.
de 2 fois par semaine. Comme dit, des fois j'ai des déplacements, que ce soit professionnel ou perso, et donc bah, je vous préviendrai à ce niveau-là quand il y aura une semaine sans stream ou 2 semaines pour essayer de carrer ça, quoi. Mais ouais, parce qu'en vrai j'ai une tonne de livres, mais c'est juste que bah, ils sont chez mes parents, quoi. Ils sont pas ici. Donc on va voir ça. Et pour répondre à ta question initiale pour le stream d'aujourd'hui, ça va dépendre de vous, ça dépend de combien vous êtes. On peut partir sur du multi, on peut partir sur du Dead by Daylight, sur du Mario Kart, sur du Fall Guys. En multi qui peut être sympa. Non. Multi, voilà. Oula, je sais plus utiliser un joystick, c'est malheureux. Du Overwatch aussi, ça fait longtemps que j'ai pas. Du Paladin, du Rocket League. Là, c'est comme Mario Kart en fait, mais pourquoi pas. En multi, je serai dispo jusqu'à 19h seulement. Après, je vais devoir filer. Ok, pas de soucis, hein. Dans tous les cas, tu viens comme tu peux. Là, j'avais mis en stream jusqu'à 22h. Je pense pas que je vais tenir jusqu'à 22h. Je pense que je vais soit être fatiguée avant, probablement. Mais il n'y a pas de soucis. Et puis, est-ce que déjà, toi, tu aurais une préférence? Autrement, sinon, j'ai un petit jeu que je voulais faire depuis un moment. Un jeu histoire, où est-ce qu'il est? Si je le trouve. Voilà, celui-là. C'est un petit jeu d'histoire à choix. Apparemment, il est pas très très long. J'avais dû le commencer une fois, je viens de voir, vu que j'ai un trophée dessus. Deux. Ouais, un trophée. Mais voilà, ça peut être un backup aussi s'il n'y a pas assez de monde qui sont intéressés pour le multi. Il a l'air pas mal du tout, effectivement. Et si je dis pas de bêtises, c'est un jeu de... Focus Entertainment qui a fait des très bons jeux. J'adore beaucoup les jeux qu'ils ont fait. Ils ont fait notamment A Plague Tale Innocence, ils ont fait Vampyr, ils ont fait Ood Outlaws and Legends. Ils sont aussi sur d'autres jeux qui vont pas tarder à sortir, qui ont l'air juste incroyables, genre Banishers, il me semble que ça s'appelle. Je sais pas si ça te parle, Elodie, c'est un jeu d'histoire aussi où tu suis un couple, un homme et une femme qui sont des chasseurs d'esprits, si j'ai bien compris, sauf que la femme apparemment meurt et devient un fantôme et est connectée au mari, et donc du coup ils continuent leur tâche d'éradiquer les esprits, mais avec la femme qui maintenant est un fantôme et qui peut améliorer les capacités du mari. Et ouais, franchement, c'est à chaque fois, je trouve qu'ils ont des concepts et des histoires surtout très très intéressantes. Vampire, pareil, c'était juste le concept du médecin vampire pendant le Londres du 20e siècle, du début du 20e siècle, c'est magnifique. A Plague Tale, le gameplay, toute la mécanique et l'histoire derrière, enfin c'est hyper beau. Je sais pas si t'avais fait A Plague Tale ou pas. J'ai un doute, Elodie, je me rappelle pas l'avoir vu sur ta chaîne, A Plague Tale. Tu me rappelles qu'on en avoir discuté à un moment, mais je crois pas que tu l'avais fait. Oui, mais les jeux sur MSFR, non, j'aimerais... Ah ouais, ok. Ouais, franchement, A Plague Tale, incroyable. J'ai pas encore fait le deuxième. Je vais voir là si je peux me le payer si jamais il est en promo, mais j'ai hâte aussi de le faire. Et ouais, enfin, c'est que des jeux incroyables, je trouve. Donc franchement, très très bon éditeur. En plus, ils sont très très sympas. C'est des Français et j'ai fait quelques playtests pour eux. Et juste, leur team est absolument génial. Ils sont petits oignons, ils sont hyper chill. Ils sont même en train de router pour toi, quoi, à chaque fois quand t'es en train de faire les playtests et que t'es sur le boss de fin. Donc rien à dire, c'est juste c'est des gens exceptionnels. Mais ouais, Vacancia, j'ai bien bien envie de me le faire. Là tous ceux qui... C'est un peu fort là la musique, attends. Et puis en plus, même je suis pas dans ce mood là.
Oh oui, la musique du poteau, c'est parti. C'est un ami à moi qui produit de la musique et qui est, et je trouve, j'adore son style. C'est très crooner en fait. Je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, voilà. Parmi les jeux que j'aimerais faire en stream, ils sont tous là en fait. J'essaie d'organiser un petit peu mes jeux parce que c'est une telle bordel. Donc comme je vous ai dit, il y a Miles Morales qu'on va continuer. On avait fait deux streams dessus. Et on repart dessus jeudi. Jeudi soir, ce sera Miles Morales. Evil West à voir parce que il est un petit peu répétitif. Donc peut-être que je le ferai pas en live. C'est un petit peu du bourrinage. On avait fait qu'un seul épisode dessus. Star Wars, ça aussi depuis le temps, je l'ai toujours pas fait. Il faudra que je le fasse. Je crois que Pika avait fait le jeu sur sa chaîne. Je me rappelle plus, mais il me semble qu'elle avait fait le jeu sur sa chaîne. Je crois pas que tu l'avais fait, toi, Elodie. En tout cas, on m'en a dit que du bien. Horizon, on va voir si on va le continuer. Je vous cache pas que Horizon, passer le point avec son mentor, dont j'ai oublié le nom. J'ai vraiment décroché de l'histoire. J'ai beaucoup beaucoup décroché de l'histoire et j'ai eu du mal à replonger dedans en fait. Donc on va voir. Non, pas du tout. Je suis pas fan de Star Wars honnêtement, mais les jeux ont l'air sympas. Je peux comprendre, ouais, le pas fan de Star Wars. C'est surtout en ce moment, je trouve qu'en fait ils nous gaffent trop de Star Wars. Partout en fait, genre t'as 150 millions de séries Star Wars, t'as eu les films qui étaient bons, on va pas en parler, mais voilà, le plaid de Nemo. Attends, je vais voir si vous arrivez à voir. Voilà, magnifique. Je suis deg qu'il n'y avait pas Dory, mais Nemo c'est déjà ça. Donc ouais, en vrai, franchement, j'en ai un peu marre de Star Wars. Même là, il y a la saison 2 de Loki qui est sortie. Et j'adore Loki. C'est mon personnage préféré. Et j'en ai marre, en fait. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, il faut arrêter la vague Star Wars. Ils ont commencé ça depuis quoi? C'était le premier film, enfin, le premier film de la nouvelle... Trilogie, c'était en 2017, si je dis pas de bêtises. Et ça fait un peu beaucoup. Donc voilà. Mais c'est vrai que les jeux ont l'air sympas quand même. Et le gameplay aussi. Le gameplay a l'air très très sympa. God of War. God of War, ça j'ai toujours pas fait. Je suis très en retard. Pour voir comment il s'appelle, Astrius, Arius, Arius, Aphelus, Aleus, Aius, quelque chose. Mais ouais, Atos aussi, c'est pas le. J'en ai jamais fait. Atreus, voilà. J'étais pas loin, j'étais pas loin. J'avais le début et la fin. Mais ouais, ça m'avait grave hype. J'avais plus vu des streams du deuxième. Incroyable God of War, vraiment bien. J'ai eu un gros... Bah, je crois que j'avais vu, ouais, quelques streams de toi, mais qui faisait le dernier, qui s'appelle Ragnarok, je crois. Ouais, Ragnarok. Et ouais, il a l'air trop bien. Magnifique déjà visuellement et très très très. Enfin, le gameplay est juste. Pourtant, je suis pas très fan des persos bourrins. Oui, c'est ça, exactement. Mais j'ai oublié son nom, à lui, comment il s'appelle? Waouh! C'est quoi son nom? En plus, c'est un dieu de la guerre. Kratos, voilà. Merci. Il n'y a rien qui fonctionne aujourd'hui. Ouais, Kratos, il avait l'air quand même de mémoire de ce que j'avais vu sur tes streams. Il avait l'air. Tu sentais qu'il avait un gameplay lourd. Enfin, tu vois que le mec il fait 100 kilos de muscles. Et d'habitude, ça c'est pas trop mon style. Je préfère les personnages qui sont plus
léger et rapide. Mais là, en plus, le fait de lier ça avec la mythologie nerdique, ça me donne trop trop hâte aussi. Puis après, bon, ça c'est des petits, pareil, c'est des petits jeux que j'ai jamais fait et pourtant qui me tentent bien. Ouais, mais en vrai, c'est assez fluide niveau combat. Je me suis pas trop senti handicapé dans mes mouvements. Ok, bah écoute, à voir ça, hein, effectivement. J'ai eu l'impression qu'ils avaient un rendu assez rapide aussi avec les techniques qu'ils faisaient. Ce sera l'occasion de découvrir par nous-mêmes. Tomb Raider aussi, j'ai loupé. On avait fait le premier. On avait fait le premier, mais malheureusement, si vous vous rappelez bien, ma save a crash. Et ce qui fait qu'on n'a pas pu terminer le solo. Entre temps, j'ai pu refinir le jeu en recommençant depuis le début. Mais sur la chaîne, on n'avait pas tout le premier jeu de fini. Et je ne sais pas la suite. J'ai fait le multi du deuxième opus, Rise of Tomb Raider, mais je connais pas l'histoire. Je connais un petit peu les prémices quand même, parce que ils les ont fait dans le film avec Alicia Vikander, mais je connais pas plus. Donc ça aussi, j'ai un peu hâte de le faire. Et sinon, Life is Strange, pareil, je les ai... Non, je les ai pas fait, Life is Strange. J'ai un doute, j'ai cru que je les avais fait sur Xbox. Mais non, je les ai pas fait. Hop. Kingdom Hearts, ça va dépendre. Parce que le dernier Kingdom Hearts qu'on a fait, j'ai pas pu. J'ai honnêtement pas pu. C'était le 1. Celui avec les... Ah, celui avec les cartes en gameplay. J'ai du mal avec les noms, franchement. C'est un truc de dingue. Ah oui, non, j'ai vla de quoi faire. Non, mais le cerveau... Merde, Chain of Memories. Merci beaucoup. Les noms, c'est un gros problème. On va boire de l'eau, c'est peut-être ça. Mais oui, il y a plein à faire. Même Infamous, tu vois, en vrai, enfin, Infamous, je l'avais commencé il y a perpète le solo, mais j'ai fait genre à peine le début et j'ai pas fini. Ça, ce DLC, pareil, on m'a dit que du bien. Et Chloé, c'est mon perso préféré de Uncharted. Pour Claudia Black, bien sûr, l'actrice qui la voice, elle a une voix incroyable. Puis sa mère, le gameplay, c'est un truc de dingue. C'est. T'as beau vouloir, en fait. T'as beau vraiment vouloir de connaître la suite et tout. Le gameplay, ça te rebute, en fait. C'est pas possible. C'est. Normalement, t'as envie de t'arracher les cheveux, quoi. Et puis après, là, c'est deux jeux que je connais pas trop. J'aime bien de temps en temps avoir des jeux. Comment dire, qui sont en général, c'est des jeux narratifs. Et qui. C'est souvent la cover qui m'attire un petit peu dans ce genre de jeu. Parce qu'il y a un truc. Il y a un truc mystique où il y a, je sais pas, quelque chose comme ça qui me donne une vibe. Et ce jeu-là, Murdered Suspect, c'est un de ce que j'ai compris. C'est un jeu d'énigmes où en fait on meurt et on devient un fantôme et on enquête sur notre propre meurtre. Ce qui est exactement le genre de truc un peu zinzin qui me plairait. Et ça, c'est à propos d'un tueur en série Reed. C'est un genre de hitman russe, si j'ai bien compris l'histoire. Pareil, ça me donne beaucoup envie aussi. Oh, ça te dit quelque chose? Apparemment, il a eu des très bonnes critiques comme jeu. Il a été très bien reçu pour le côté narratif comme pour le côté gameplay. Donc, hâte de voir ça aussi. Mais c'est des vieux jeux, la plupart. La plupart, c'est, enfin, vieux. 4-5 dernières années, on va dire. Parce que j'aime pas trop acheter, j'ai les jeux neufs depuis quelques années, à part quelques rares exceptions comme là. Cette fin d'année, ça va être beaucoup d'exceptions parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent.
assez, déjà t'as assez Mirage. Tu vas avoir Spider-Man. Il y a, comment ça s'appelle? Alone in the Dark qui va sortir. Encore une fois, j'ai oublié tous les noms, mais j'avais noté sur une liste quelque part. Et il y a beaucoup trop de jeux qui sortent cette fin d'année. C'est pas possible en fait. Enfin, surtout en fin d'année, les gens ils veulent investir dans autre chose. Les cadeaux de Noël, par exemple. Bah écoutez, en vrai, moi ça me dérangerait pas de commencer vieux comme ça. Parce que ça me botte bien. Je sais pas ce que t'en dis, Elodie. Parce que Mario Kart à deux, c'est un petit peu complexe quand même. Let's go, je suis curieuse. Allez, c'est parti. Alors, juste, vu que j'avais 1%, ça veut dire probablement que j'avais une save. On va supprimer la save de toute façon. Hop. Ouais, non, Mario Kart, c'est bien quand on a plusieurs. À deux, c'est un petit peu plus complexe, on va dire. Allez, c'est parti. Free fall around. Aussi, on arrive quand même bientôt vers Halloween. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je fasse un jeu d'horreur. Parce que Halloween, c'est fait pour ça. Et je me demandais dans la liste de jeux que j'ai à faire, quel jeu d'horreur on va faire. Et en fait, je me suis posé la question de pourquoi pas refaire un des jeux d'horreur à choix, mais avec un cheminement totalement différent, parce que le problème, c'est que comme j'ai perdu tout mon contenu de chaîne, j'ai plus aucune vidéo, comme je vous avais dit, j'ai tout perdu depuis 2019. Je me dis pourquoi pas refaire, par exemple, The Quarry. The Quarry en live ou House of Ashes. Alors attendez, non. Les notifications, voilà, ça commence. En tout cas, il y aura un jeu d'horreur, ça c'est sûr. Il y a un jeu d'horreur de prévu pour Halloween. Je pense que je ferai un petit poll sur Discord, via le Discord de Morgane pour voir lequel vous botte le plus. Mais on va pas faillir à la tradition. Sur ce, c'est parti. On va lancer The Council pour voir. J'aime bien la dame derrière. Elle me fait penser à McGonagall dans Harry Potter. Cette histoire est probablement une fiction. Ce jeu est une fiction, bien que s'inspirant. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. C'est dommage. Ça va. Ah bah tiens, voilà, encore focus. Encore focus. Que des bons jeux. Monsieur, vous avez des yeux très perçants et une mâchoire à couper du couteau, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Alors, cet emplacement est vide. Ok. Le son est un peu fort, je trouve. Je vais baisser moi. Contenu téléchargeable, c'est-à-dire. Non. Des Dishonored. Et Dishonored, il faudrait que je le fasse aussi. Il y a plein de trucs que j'ai pas fait. En tout cas, le design. Oh, le couteau. Regardez-moi ce couteau. C'est magnifique. Audio et sous-titres. Alors, vu que c'est un jeu focus, peut-être que je suis pas sûre qu'il y aura la voix en français. Souvent, ils font uniquement la voix en anglais. Donc, on va laisser les sous-titres activés. Dishonored, ça se fait très vite en vrai. Ouais, il faudra que je fasse aussi. J'ai le 1, mais sur PS3, je crois. Ouais, c'est ça, sur PS3. Ça a été ajouté sur la liste des choses à faire. Ok, une nouvelle partie. On va voir, mais je pense très souvent, Focus, leurs jeux, ils les font. Oh. C'est en France en plus, ils les font que en VO.
Paris le 10 décembre 1792. Stop! You're not getting anywhere with this von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen. Nothing. Not a sound. No one's coming to save you. That's what you think. The Golden Order knows exactly where we are. By the time your ridiculous secret society turns up, I'll be long gone. As for you, nothing will remain of your body. If you touch a single hair of my mother's head, I'll skin you alive. T'es un mummy's boy, c'est bien. No, Louis. I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. On n'est pas des chiens. Et oui, mais sa coiffure et même son attitude, c'est totalement McGonagall. That I intend to get back. Where have you hidden it? Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. We know you're planning on selling it at one of Lord Mortimer's parties. All right? Just tell us who the buyer is and we can make a deal. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. Oh, stop annoying our host, Louis. Son, didn't what happened to you in Rome teach you anything? Just a few more minutes and my concoction will be ready. Ça, ça veut dire on va faire comme à Rome, je sens. With this, your bodies will dissolve in less than 4 hours. Okay. You'll see. It loosens tongues in no time. You know, I have to admit, Mother, the only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Always remain rational. And open. I got it. I've opened our shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Von Borchert! Von Borchert! Hmm? Listen! Let's make a deal. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. Bah, ceux qui ont bouquin. For the last time. Where is Al-Azif? Let me do this. Trust me. Ah, donc on n'a pas de temps limité. Ok. Allez, please, on va te faire confiance. Be my guest, Mother. Well done, Louis. You reacted perfectly. How do you feel, Mother? Couldn't be better. Oh, la musique. So I can question him after we get back. Pity he's just a middleman. Means I haven't finished with this case. Oh, I had a feeling you'd be running off on one of your adventures again, Mother. You know what? I'm warning you. This time, I'm coming with you. No. Even though you impress me more and more, I have to do this on my own. Mother, you're no spring chicken anymore. Come on, let's go home. And don't forget to send our men to tend to von Borchert. Et bien jusqu'à présent, ça se passe très bien. J'aime bien la dynamique. Mère finie. Sacré caractère. Bah comme McGonagall, j'ai envie de te dire. Un mois plus tard, île de l'Orbe. Oh, c'est bien isolé comme île, ça. Large des côtes anglaises. Hmm.
Et j'aime bien aussi le fils un petit peu enjoué, léger et tout, etc. comme personnage, j'aime beaucoup. Ça se contrebalance bien. Alors en fait, ça se passe à Hogwarts, on vous a pas prévenu. C'est un remake, avec le château là, où on vient d'arriver. Well done, Mother. You just had to pick up Von Bertrand's trail on your own, didn't you? You ditch me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer. And now he writes me to say that you've gone missing on his private island? Which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island. Ah, donc elle a disparu, ok. C'est dommage, je voulais voir plus d'elle. The least he could do is explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, Mother. It no longer suits your age. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some long-lost mystical object that you just can't live without. I'm already hating this trip, and all I've done is think about it. Contrary to what one may be able to imagine, it was not the host himself who invited you. Donc sa mère, c'est une genre d'Indiana Jones. Well, Duchess, we find ourselves both invited by Sir Horn. Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests, Your Eminence. Is this your first time at one of Lord Mortimer's legendary parties? Oh, no. We have been friends since long ago. But as I'm doing some business with Sir Horn, the invitation came from him. Well, I simply can't wait for all the festivities to begin. And you, good sir, what brings you here? Oh, allez, on va être... Lord Mortimer asked me to join him. On dirait bien, ouais. We have some business to take Indiana Jones, ouais. Oh, how mysterious. You adapt quickly, my son. You get along here like a fish in water. J'aime bien les mamies enjouées comme ça et du caractère. Hoping to solve our personal issues, you'll see. Right. I doubt that you came here to look for your mother, Your Eminence. Anyway, consider yourself fortunate, young. Ah, donc on entend ses pensées aussi. Because there are many who dream of simply one day setting foot on this island, and only a very few ever make it. Même le design des persos. Imagine this must be your first time here. Le design des persos, enfin, ça me fait très des vibes Cluedo aussi. J'aime pas donner trop d'informations, surtout à un homme de l'église. And you, Duchess? You seem to be quite accustomed to things here. Am I right? I do not think that one can ever get accustomed to what Lord Mortimer prepares for his guests. But you are right. This is not the first time I've been on this wharf. If you've come back again, I imagine you must find it to be of some interest. Here, everything is possible if you make the right choices. It really is up to you whether you leave better off. Please Merci. Excuse me if you find me overly curious, young man. I did not mean to cause you any embarrassment. Come, Duchess. They are waiting for us. When Allez voir, je vais tous les tuer. If you would like to join us. I'm coming, Duchess. A cardinal? A duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I'd known, I would have gone for a better suit. Oh, mais t'inquiète, t'es déjà très bien dans ton costume, hein. Attends. Are you alright? Okay, it's done. Did you put it in a safe place? Yes. I made sure no one was following me. Don't worry, Sarah, no one's going to find it. Are you absolutely sure? Yes, I'm sure. Right. Just one thing left to do. No, Mother, no, don't! What? Have you lost your mind? There's no other way. If you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you.
No, Sarah. Don't. No. No! You can run if you want to, Sarah. But you will pay for what you've done. Ah, mais il saigne du nez en plus, Louis. La vache. You. Louis, are you alright? What's going on? Here, take this. I'm sorry. Keep it. Are you better? I'm fine. Don't worry. It's getting late. Why don't you go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes! I'm sorry. I'm sure, yes. Fine. C'est devenu plus glauque tout d'un coup. Hein. Et je me demande si c'est une... OK. Or what? This can't be real. The Duchess arrived with me. What's happening to me for God's sake? I absolutely need to find you, mother. Mais je me demande si c'est une prémonition. Oh, par contre, tu marches à deux à l'heure, Louis, c'est insupportable. C'est insupportable. S'il te plaît. Parce que si c'est une prémonition, ça va dépendre de nos choix, j'imagine. Moi, j'ai pas envie de... Louis, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess. Ah, le non, la vitesse, ouais. But we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? Ah, on doit choisir une classe. Ok, d'accord. Alors. Diplomate, le diplomate prié en société, orateur de talent, essaie d'éviter les faux pas et impose ses idées sans froisser ses interlocuteurs. La politique est son domaine de prédilection. Occultiste, l'occultiste est maître des faux-semblants, convaincu de l'importance du savoir. Il a accumulé des riches connaissances en sciences et en art. Ok. Utiliser les autres pour arriver à ses fins ne lui pose aucun problème. Détective, le détective est celle en investigation. Il est entraîné à remarquer les moindres détails. Tant dans l'environnement que chez ses interlocuteurs. Homme de terrain, il n'a pas peur des approches directes. Donc choisir une classe détermine vos compétences primaires. Les autres compétences seront accessibles, mais seront plus chères à débloquer. D'accord, ok. Ça m'a fait flipper le bruit de coucou. Je suppose que c'était pour me dire « Grouille-toi, choisis une classe !» Diplomate, sûr et certain qu'on va pas prendre ça. La diplomatie n'est pas mon fort. Et en vrai, j'hésite entre occultiste et détective, du coup. Convaincu de l'importance de survoir. Mais j'aime pas la partie utiliser les autres pour arriver à ses fins. Donc je pense que je vais partir plutôt sur détective. Non, t'inquiète, ça venait pas chez toi. T'as pas un coucou imaginaire chez toi qui fait du bruit comme ça, de manière incongrue. T'inquiète, y a pas de souci, Elodie. Mais t'inquiète, le coucou ne vient pas de chez toi. Ce n'est pas non plus Orion qui est devenu complètement zinzin. Alors. Détective débloque les compétences interrogatoires, vigilance, logistique, psychologie et agilité. Vous disposez maintenant de 7 points d'effort pour utiliser vos compétences. D'accord, donc on a un arbre de compétences et tout. Votre passé vous offrira un point de compétence en manipulation et un point de compétence en psychologie. Alors. Ah, donc ça a débloqué les compétences, mais ça les a pas validées, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Donc pour le moment, je peux faire que dans le détective. Ok, 4 points restants avant le niveau 2. 4 points restants. On va faire psychologie, je pense, au début. Là, ouais, vigilance, ça me semble pas mal. Et ben, je crois que c'est tout ce que je peux faire maintenant.
logique, exercer aux esprits logiques et votre technique opératoire sera peut-être mieux que l'habilité, je pense, au début. Et le dernier, c'est quoi? En vrai, je vais retirer un point de là. Non, retirer. Voilà. Hop. Je crois que c'est tout bon, là. Allez, on va valider ça. Well, over the last few years, I've solved a number of crime cases. Like the chauffeur d'Angers, for example. Oh, cet accent. That tortured their victims with burning embers. Charming. How did you catch them? I told the most cowardly one that the others had given him up. Ah, and I wager your thief suddenly started to talk. You wouldn't believe it. He told us everything. The jobs, the stashes, the names of his partners. Couldn't shut him up. I heard about that case, but I didn't know you were the one who solved it. I'm flattered that the news made it across the channel. And you've got a darn good memory, Duchess. Well, they say I have the memory of two people. But please, call me Emily. Fine, Emily. Tell me, I was actually helped on that case by my mother. You wouldn't know her by any chance. Wait, Louis. We've already met. You do remember me, don't you? Vous ne semblez pas me remettre, plutôt reconnaître, je pense, non? Elle risque d'être offensée, mais je vais être honnête, hein. Please excuse me, madame. I'm sure we've met before, but I don't remember where. I appreciate your honesty, even if it's not very flattering for me. I imagine that with your beauty, madame, it's the first time a man hasn't remembered your face. Well, I must say, you make up for yourself rather elegantly. Please, stop torturing me. I'm completely at your mercy. Where have we met? 4 years ago, in London? No, sorry, I don't remember. In the office of William Pitt, remember? No? I'm so sorry, Emily, but I really don't remember you. Let's drop it, Louis. It doesn't matter. Right, time to go to the manor. Si, si, ça me semble très bizarre quand même qu'il se rappelle pas. Alors, vos compétences vous permettent de découvrir des détails cachés. Sélectionnez les mains le plus cohérent avec la situation pour les découvrir. I ask her a question, she answers with another. Is she playing with me? Oh, la vache! Attends, c'est... Faut faire vite, en fait. Chaque interlocuteur que vous rencontrez sur l'île possède une personnalité propre, ce qui le rend vulnérable à certaines compétences et immunisé à d'autres. Oh, donc il faut choisir la bonne en fonction de chaque personne, d'accord. Savoir exploiter cette personnalité est crucial pour mener à bien vos projets. Les immunités rencontrées vous desserviront et vous laisseront épuisés, tandis que les vulnérabilités exploitées vous rendront un point d'effort. Waouh. Ok. Ça va être chaud. Emily, please excuse my insisting, but you still haven't answered about my mother. Do you know her? You'll see, Louis. Everybody here knows Sarah de Richet. Elle répond encore. I don't know where we're going like this, Emily, but you're connected to my mother one way or another. And if I can believe my vision, you don't have much of a place in her heart. Ouais, j'ai l'impression que la mère n'hésite pas non plus à faire ce qui est nécessaire. D'obtenir des talents en réalisant certaines actions. Pensez à regarder leurs conditions de déblocage et leurs effets. Ils donnent des améliorations très intéressantes. Alors... Il n'y a pas moyen de le faire marcher plus vite. Must be an incredible view from up there. Impossible to set foot on the island without being seen from 300 meters away. Ouais. C'est même un petit peu... flippant d'une certaine manière. Alors attends, ça je peux ouvrir, je crois, non? La gelée royale restaure 2 points d'effort. Vous ne pouvez pas en porter plus de 5. D'accord. Honey, the remedy of the gods. Qu'est-ce que c'est que ça? Great, honey. Encore? On va voir partout à ce rythme-là. Hop.
Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, allez, on va rentrer à l'intérieur du manoir. Non, il n'y a pas rond pour marcher plus vite, L1, R1, non, ok. T'es quand même très séduisant de dos, mais tu marches très très lentement. Malheureusement. Ah, je peux aller par là? Good evening, sir. Ah non, apparemment non. Louis Moraes de Richet. Monsieur de Richet, delighted to welcome you among us. Oui, il a un masque. You must be Sarah de Richet's son. I must tell you we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. Hmm. What can you tell me about the disappearance of my mother? 2 weeks have passed since Sir's mother went missing. All the staff here have since been busy searching every nook and cranny of the island. But Sir may rest assured, we shouldn't be long in finding her. And just what have you found so far? S'il y a une urgence, so on n'est pas sauvé avec lui. That Sir's mother may be hiding on the island and regularly changing her location. But no one seems to know why she would find this behavior necessary. What do you mean? On several occasions, we have found leftovers of food, a few of her things, or even traces of campsites. The reason why we're searching the wharf again is because lights were spotted there last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seemed to have left the manor. Le masque, c'est creepy, par contre. We think that perhaps sir's mother was here. Compétences vous donnent accès à des choix et des actions uniques en échange de points d'effort. Bah, de toute façon, ça tombe bien, on a plein de miel, on va dépenser des points d'effort. Hop. Y a-t-il eu des témoins? And did you find anything then? We discovered a certain amount of damage, sir, on the wooden part of the wharf. What type of damage? Broken barrels, mainly. We'll do whatever is necessary to have them rapidly repaired. But quite frankly, I can't imagine what Sir's mother would have been doing with them. What could Mother have been doing with barrels? Nevertheless, our search of the wharf hasn't been entirely unsuccessful, though. What do you mean? We seem to have found an object that would appear to belong to Sir's mother. A handkerchief. The handkerchief is embroidered with the initials S.D.R. We came to the conclusion that they are the initials of Sir's mother, Sarah de Richet. I have orders to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind to go for a midnight stroll on the wharf for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir. The one you arrived by. Bien, passons. Bah non. Ouais, ça me donnerait une excuse pour aller voir Mortimer moi-même. Give me the handkerchief. I'll personally show it to Lord Mortimer. Well, I've traveled hard for several days in order to get here. Yes, but... Invited by your master. No, of course, but... Because my mother went missing right under your nose. Sir, please. And having only just arrived, you refused to give me her personal belongings? Of course not, sir. It was never my intention to contradict, sir. Here you are. I must return now. There is still much to prepare in order to welcome all the guests. It is indeed your handkerchief, Mother. You must have come here for a specific reason. I need to know what it is. Let's think. What could ah, R2 pour vous déplacer plus vite. Attends, on va voir. La limace. Oh oui. Oh. Oh là 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 là. La vitesse de pointe. Donc. Des barils, qu'on m'a dit. Ah non, mais là, c'est un étalon, là. C'est plus la même chose. Alors, une vieille grille. This bar has been broken fairly recently. The edges are still clean. And the tip is blackened. Without analysis to the contrary, I put my money on cannon powder. This might just come in handy. Jamais.
Ah, attends, on a un espèce d'inventaire, du coup, j'ai pas regardé. Ok, ouais, inventaire. Gelée royale. La barre, le mouchoir. J'ai deux mouchoirs, du coup. Invitation. Ok. Alors, quoi d'autre? Waouh, la vache, il va trop vite. Je suis plus habituée. This chest might belong to Duchess Hillsborough. Ok, d'accord, mais je vais pas aller fouiller dans ses affaires, je viens de la rencontrer. Ce serait malvenu, quand même. A sac of seeds. It's unopened. No one seems to have used any. Ok, ça m'avance à quoi? Quoi d'autre que je peux regarder? Ah. Some rope. Apparently no one's touched it for a good long time. Mm-hmm. Donc personne n'a utilisé les clés depuis un moment. C'est ça que tu veux dire? Alors, rien que je peux utiliser là? Rien que je peux observer? Attends, si, la lanterne. A lantern. Nothing special. Ah, je suis déçue, j'attendais beaucoup de cette lanterne. Let's see what's hidden inside. Ouf. Alors attends. Allez. Ah, one of the letters is stamped with the seal of the order, and I recognize your handwriting anywhere, Mother. But who is this Samuel Ritter d'Auchois? Who are you writing to? I don't recognize the name. Let's see what's inside this letter. So. Dear Samuel, my stay on Lord Mortimer's island is going wonderfully well. As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks. Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly, Sarah Faustine de Richer. What is your game here, Mother? Secrets, always more secrets. You never talk to anyone using language like this. Something's going on here. Est-ce que ce serait pas un code? Justement, le langage. For crying out loud, who is this Manuel Godoy that you keep bringing up? Think. Godoy, Godoy. Manuel Godoy. Why does the name sound so familiar? Ah, politique! Ah, ok. Bah écoute, je ne peux pas. I'm guessing he's a man of some importance. Spanish, I'd say. But... Godoy comme Iñaki Godoy d'ailleurs. Ouais, exactement. We need to talk about it soon, Mother. I don't know what you've gotten yourself into this time, but I'll bet you've got a lot to tell me. Ok. Je suis presque sûre que la lettre est un code, mais qu'on n'a pas encore de quoi la décrypter pour le moment, et que le cadeau qu'elle devait envoyer, ça devait être autre chose. Alors, donc là, on a regardé. Et je pense aussi qu'on va rencontrer les gens en question qu'elle a mentionné, donc Godoy et Samuel Richter. On va les rencontrer dans la fête, à mon avis, de Lord Mortimer. Est-ce que je peux aller à droite? Ah oui, il y a quelque chose d'ailleurs à droite. Non? J'ai cru que... Ah non, ok. Hop. Wooden floorboard. Judging by the splinters of the wood, this floorboard has been ripped up. Yet it was in decent condition. I wonder why someone ripped it up. What's the point of doing this? Probably comes from this part of the wharf. The wood is slightly eaten away, of course, but it still would have been fine if it weren't smashed. Pourquoi est-ce qu'on aurait retiré une planche? Je comprends pas. Mmh.
Ah, bah non, j'ai pas la clé, je suis bête. Je peux ouvrir la clé? Locked. I'll never get it open barehanded. J'ai une barre en fer. Voilà. Clearly, I'm not much for manual labor. Let's see if I can get it open another way. J'aurais pu la crocheter. Ah ouais, mais j'ai pas. Ok. Forcer avec la barre. On va tenter, hein. Par contre, après, on va manger de la gelée parce que là, j'ai déjà plus rien. Ça va aller le coup. Let's go. Hop. Alors, Oh, ça en donne deux à chaque fois. Cool. Ok, ça, ça va être hyper important d'en avoir tout le temps. This looks like a pistol case, but it's empty. Merde, c'est le pistolet de la vision. This has anything to do with you, mother, but if it does, at least now you're armed. Just non. Like in my vision. Ouais. And none of it's telling me anything useful. Qu'est-ce que c'est? Ah, gelée royale encore, ok. Et ça, c'est les tonneaux dont il parlait. This wharf is used as storage for a lot of barrels. Non, je pense qu'elle a caché quelque chose dedans. C'est pas possible. Uh-huh. What have we here? C'est les planches, voilà. It's cannon powder. C'est ce qu'elle a... Merde, je peux pas. Oh, c'est chier. Ça veut dire qu'elle a utilisé la barre de fer pour forcer le baril. Et je pense qu'elle a dû mettre quelque chose dedans, mais je peux pas regarder. Attends, est-ce qu'il y a moyen? C'est quoi? Difficulté zéro, science indisponible. It's unusable now. I don't know what the person who left this barrel like this had in mind, but it's a waste. Apparently, someone on this island has gone through a whole lot of trouble to arm themselves. I really... Oh, cool, on peut augmenter, ok. Amber. Voilà, bah je crois que c'est tout, mais est-ce que je peux augmenter? C'était scientifique, je crois. Talent, alors attends, comment ça fonctionne? Maîtrise policière, maîtrise occulte, maîtrise diplomatique. Ça, c'est des stats, ok. Et personnage. Vigilance, logique, agilité. Attends, est-ce que c'est pas... Occultisme, manipulation. Donc manipulation, on aurait pu crocheter avec. Érudition. Science. Ah ouais, non, c'est parce que j'ai pas appris occultiste. D'accord. Ok. Ah oui, trait, j'ai pas regardé, tiens. Présence. Ok. Vous gagnez un point, hein. Compétence manipulation. Merde. Ah ouais, non, ça c'est par rapport à nos choix, du coup. Parce que ça, c'est par rapport au prologue, le fait qu'on a fait confiance à notre mère, et ça, c'est la classe qu'on a choisie. Donc, non. Donc, a priori, je peux pas récupérer ce qu'il y a dans ce baril, parce que... Bah, parce que j'ai pas la classe... J'ai pas la compétence scientifique. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut refaire une partie? Il y aura une New Game Plus, parce qu'autrement... Ah mais non, je pouvais quand même rentrer avec la barre. Ah, j'ai peut-être pas choisi la bonne classe, du coup. Ouais, je peux les débloquer autrement, mais à ce niveau-là du jeu... Enfin, je sais pas comment j'aurais pu faire, en fait. Parce que le compétence non acquise... Il me semblait pas que j'avais la possibilité de débloquer ça.
Alors que là, je peux les évoluer. Je sais pas. Peut-être. Peut-être que j'ai mal fouillé, ou alors peut-être qu'il faut faire une New Game Plus. Ça, ah non, le manipulation, ça c'est nouveau. Donc ça, je l'ai obtenu avec mes choix. Peut-être que j'ai pas posé les bonnes questions au serviteur, du coup. Et que peut-être que si j'avais posé les bonnes questions, j'aurais eu science au lieu de manipulation. Parce que là, je l'ai forcé à me donner le mouchoir. Ok, c'est complexe quand même comme mécanique. Mais tant pis, on saura pas ce qu'il y a dans ce baril. Et maintenant, je peux pas y retourner. Ça, c'est bon à savoir. C'est une fois qu'on fait s'éloigner, on peut pas revoir l'objet, quoi. Donc là, je saurai jamais ce qu'il y a dans ce baril. Bon, bah tant pis, hein. Là, je crois qu'on n'a plus rien à faire à part remonter en haut. Attends, ça c'est de nouveau la planche, c'est ça? Et ça va me proposer quelque chose de nouveau. Ouais, déjà effectué, si je le fais une deuxième fois, ça change rien. Les splinters de bois, ce floorboard a été ripped up. C'était pas en bonne condition. Je me demande pourquoi quelqu'un l'a ripped it up. What's the point of doing this? Ouais, non, ça me donne pas plus. Ouais, peut-être que j'ai des trucs bloqués. En fonction aussi de la classe qu'on choisit. Peut-être que si j'avais pas choisi détective, j'aurais pas eu toutes les informations qu'on a eues sur notre mère auparavant, mais j'aurais pu savoir ce qu'il y avait dans le baril. Je suppose donc que bah, c'est un choix... C'est un choix à chaque fois en fonction de tout. Attends, ça j'avais pas vu par contre. Great, honey. Oh, j'ai failli louper de la gelée royale encore. Ok, la gelée royale, ça va être notre carburant préféré. C'est bon pour les neurones, la gelée royale. Je crois qu'on a tout fait. Ça c'est un reflet ou... C'est moi ou il y a un reflet bleu dans les mâles là? Sur les coins des mâles. Ouais, tant que c'est pas des objets à ramasser. Ça, on avait interagi avec. Ok. Donc c'est régulier le brisage de tonneau, du coup. Ça veut dire quoi, il y a que depuis un moment? Ah, attends, j'avais pas vu ça. C'est quoi? C'est écrit en latin, non? Latin inscription. Ouais. Anessis, mi fili. Quantile produncia mundus ergatur. Alors attends. Ah, ça fait trop longtemps le latin. Au crépus. Oh, je sais plus, mon fils. Oh, je sais pas. Je sais plus. Merde. Tant pis. Bon, on va faire un point après sur tout ce qu'on a ramassé dans l'inventaire. Et puis on va aller voir Lord Machin avec le mouchoir. Bonjour, monsieur. Manage to build his manor at the top of a rocky outcrop. Ouais, merci beaucoup, Elodie. Merci d'être passée, merci d'être restée. Je croyais même que t'es restée un peu plus tard que ce que t'avais prévu. Oh, madame est très douée en latin. Bravo. Franchement, bravo. Mais merci à toi, Elodie. Et puis, gros bisous. Et à bientôt. À bientôt, que ce soit sur un petit stream, ou sur un des miens, ou sur un événement multi, ou quoi que ce soit. Bisous à toi. Donc, alors, la nuit tombée prend garde au monde qui tend tout mon fils. C'est très intimidant de voir ça. I was looking for you. Oh, encore toi. What can I do for you, Your Eminence? I wanted to ask you. You are the son of Sara Derice, aren't you? You see, your mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope. But I haven't seen her. If only mother had told me why she was coming here.
Anyway, I ought to take the envelope. It might have something to do with her disappearance. Yeah. Listen, if it will help, you can always give it to me. Oh, donc on a le droit à 3 erreurs pour récupérer la lettre, ok. Durant une confrontation, vous devez franchir des étapes en vous montrant le plus convaincant possible. Les confrontations des histoires ont des conséquences sur la suite de l'histoire. N'hésitez donc pas à utiliser vos compétences. Ok. Thank you, my son. I'll bear that in mind. I'd rather deal with her directly. Don't take it personally. Would you happen to know if your mother has arrived yet? Alors non, on va pas être brusque comme ça. On va faire ça, hein. Ouais, on va mettre. Certainly, Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. Right. I shall see her too. Yes! By the way, Your Eminence, I wasn't aware you knew my mother. Ah, if you only knew my son. J'ai fait une maladresse ou pas? Mother in the highest regard. She has rendered great service to the church, and her help is invaluable. I hope that you will follow in her footsteps. If only she had told me where she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. If your mother wishes to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. That is very commendable. But since we work together on a daily basis, it's surely just an oversight. Most certainly. You said you work together. What do you do exactly? Ça va le braquer et ça va pas aider du tout. On va être honnête, hein. On va être honnête parce que tout le moment, je n'ai pas le choix des deux autres. My mother and I belong to the same secret organization, the Golden Order, which I joined a few years ago. Mother trained me, and I assist in her research. In other words, you can trust me. My child, you are telling a perfect stranger that you and your mother work for a secret society. It would seem that discretion is not one of your specialities, my son. You will understand that it does not encourage me to put my trust in you. Ah! All the same, it bothers me to see you in a quandary, Your Eminence. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me and I'll give it to her as soon as I see her. N'empêche, le mec le harcèle pour récupérer une enveloppe. Up till now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Do you think I should give it to you? Pas celle-là, ça c'est sûr, mais celle-là. Parce que si on brûle sur savoir ce que ça fait, je vais tenter ça. Don't worry, Your Eminence. Your secret is safe with me. You know my mother's reputation. As her son, I will defend the Duriche's word with the same fervor. Ah, I would expect nothing less. Listen to me, my child. If I give you the letter, can you promise me before God that no one other than your mother will read it? Ok, alors pour la dernière étape, vous devez convaincre une réponse positive. Ah, attends, ok, intéressant. Donc ça veut dire qu'en fait on a le droit de se planter à la dernière étape. Hello Pika, comment vas-tu? Est-ce que le son a fonctionné ou pas? Une très bonne question, t'es une des premières à utiliser le son. Pardon, excuse-moi. Je
Je suis en train de regarder si ça a bien ouvert la zone, mais je crois pas. Non ! Je vais bien, et toi, écoute, ça va très bien. On est sur un petit jeu que je voulais faire depuis un moment. The Council. Reprise des streams tranquillement. Alors, attends. Je te fais les notices. Je vais réouvrir. Hop. Ok, là, ça devrait le faire. Ouais, c'est un jeu, ça fait beaucoup les vibes Cluedo. Et jeu à choix, jeu d'enquête. Donc très très sympa pour le moment, franchement. Non, ça n'a pas marché non plus. Alors. Bah oui, mais ça m'énerve, Pika, et que ça marche pas à chaque fois. Faut que je règle ça hors stream. Non, non, tu m'embêtes pas, t'inquiète. Moi, ça m'énerve qu'il fonctionne pas. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il met une. Qu'il y a une. Comment dire. Qu'il y a une. Une mise à jour. Ça. Ça fait bugger le truc. Ok. Là, j'ai réfléchi le truc. De toute façon, ça tombe bien, j'étais en train de... Ah oui, je l'ai directement intégré, en fait. C'est pour ça que je comprends pas. Normalement, ça devrait marcher. Mais même là, quand il y est, je suis obligée de passer par la... Par la zone de notif via Internet. Et c'est chiant. Tu crois que j'aimerais pas vivre à poil dans la forêt ? Ici, c'est parce que t'avais mis un seul i. Je l'avais mis avec deux i. Donc en fait, voilà, on a solutionné le truc, c'est parce qu'on utilisait la mauvaise commande. Je crois que tu l'as entendu en double, par contre. Ha ! Victoire du peuple. Tu vois ? Ne t'inquiète, moi aussi, j'étais persuadée que c'était avec un seul i, pour te dire. Alors, écoutez mon enfant, si je vous remets la lettre. Faire jurer sur autre chose. Oh ! Oh là 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 là. Bon, en vrai, de toute façon, on peut se tromper. Ok, pas de soucis, je suis sûre qu'il va me dire... C'est trop banal. I swear by the Almighty God to honor the promise that no one but my mother shall cast her gaze upon your letter. Good. Listen, I don't know. Let's stop there. I'm going to tell you a secret, Monsieur Lerici. Fiable. Let's go. The escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priests' safe passage across the borders. Even if she does not share all our convictions, she always provided assistance. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Here, the letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Remember to tell Sarah when you see her that time is short. Well played. I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains.
ça a été un bordel, ça. Donc, du coup, notre maman était une coyote. Elle faisait passer des gens de l'église à la frontière. Ok, c'est bizarre. Mais pourquoi pas. Donc, en fait, c'est un jeu d'enquête, Pika, avec un petit peu un côté RPG derrière. En fait, on s'appelle Louis. Et notre mère a disparu depuis un certain moment en allant rendre visite à un certain Lord Mortimer qui est dans son manoir sur une île où on se trouve actuellement au nord des côtes anglaises. Et donc du coup, Louis est venu enquêter sur la disparition de sa mère. Et on a trouvé des traces de lutte sur le quai avant d'arriver. On a trouvé des barils, on a trouvé des planches qui étaient cassées. Et on a eu également une espèce de prémonition bizarre en rencontrant une certaine Emily qui avait l'air de connaître notre mère et qui avait l'air de nous connaître nous, mais nous on se rappelle pas d'elle. Et dans la prémonition qu'on a eue, on voyait notre mère qui avait l'air d'avoir été tabassée et dont on avait coupé la main et qui tirait sur Emily. Donc un gros bordel. Gros bordel et pas beaucoup d'indices pour le moment, à part que notre mère avait écrit à deux personnes à propos de sa venue ici. Apparemment même plus du coup, vu qu'il y a le prêtre là, Piaggi, et il y a deux autres personnes qui sont au courant qu'elle était censée être là. Donc ouais, très très bonne ambiance, franchement. Petite musique Cluedo, très très sympa, mais... On ne sait pas ce qu'il est advenu de notre mère. Le Lord Mortimer, on ne l'a pas encore rencontré, mais je pense que c'est pas quelqu'un de recommandable, dirons-nous. Et là, on vient de persuader le prêtre Piaggi de nous donner une lettre qu'on était censé donner à notre mère, mais je crois qu'il n'a pas capté que notre mère avait disparu. Ça, on ne lui a pas dit. Donc bon, voilà. Alors, je vais observer un petit peu les environs avant d'aller rejoindre le groupe. Vu qu'en plus on a pris la classe détective. Oh, alors attends, ça veut dire que je peux redescendre? Je vais juste regarder. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Ouais, tu m'étonnes, c'est très pompant, très imposant. Alors. Blind Oedipus. Blinded himself. What a tragic destiny. C'est intéressant que tu aies Oedipe, connu pour le complexe d'Oedipe, dans ce style. Alors, qu'est-ce que c'est? Croix de Malte. La croix de Malte octroie les faits exaltés, vous percevez temporairement des immunités et vulnérabilités avec un des choix de dialogue. Oh, c'est cheaté ça! Consommer avec droite, d'accord. Ok. Ouais, tout ça en combien de temps? En 1 heure. Ouais, 1 heure à peu près de jeu. Il y a pas mal d'informations en vrai. C'est assez dense en informations. Mais c'est très... C'est vite dedans. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Pièce de collection. Ok, c'est un collectible. Ça faisait un moment que je voulais le faire. Je n'étais pas assez pour du multi, donc du coup, je suis partie là-dessus. Saturn devouring his son. Good God, how awful. Ah oui. Painting is disturbing. It's the first time I've seen brushstrokes like this. Il est connu, ce tableau. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une carte? Je peux pas la récupérer, je pense pas. Crucifixion of Saint Peter. He was crucified upside down, out of humility. Surprising for an entrance hall. J'avoue que franchement, c'est pas la meilleure ambiance que tu pourrais mettre en termes de tableau. On a connu mieux quand même. Mais par contre, regarde-moi ce Louis Pika. On est d'accord que... Il est pas mal. Et il est même très très bien. Je peux pas monter, je crois. It might be bad manners to go upstairs without being invited. Ouais, c'est ce que je me disais aussi, Louis, t'inquiète. Alors, on va prendre ce qu'il y a sur la table. Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch. A biography of the great men. Prendre l'ouvrage, pourquoi pas?
J'aime pas sa coupe de cheveux. Ouais, c'est 1700. On lui pardonne. C'est 1700 qu'il y a des poussières. 1800, je crois. 1792. Les manuscrits permettent de s'instruire au cours de l'aventure. Ah, c'est pour ça qu'on a eu les bouquins au début quand on a choisi la caste détective. À chaque début de quête, vous pourrez choisir vos lectures et gagner ainsi des points de compétences permanents. Ok, donc attends, on va regarder ce que ça nous a fait gagner. Qu'est-ce que ça nous a fait gagner là, là. Alors. Manipulation, on en a eu un deuxième parce qu'on vient de d'obtenir la lettre du prêtre. Mais j'ai pas l'impression d'avoir gagné autre chose avec, avec le livre. Le reste, ça, c'est ce qu'on avait dépensé avant. Alors, talent, trait... Ah si. Fiable, ça, on l'a eu avec Piaggi. Ok, j'ai pas tout à fait compris. Donc je suppose que c'est à la fin d'un chapitre qu'on peut augmenter ses compétences. Je peux pas le faire là maintenant. Oui, on lui pardonne. Point de compétences en conviction. En psychologie. Ah, est-ce que c'est par hasard si on les ouvre? Ça nous donne quelque chose? Non? Je sais pas. Parce que tout à l'heure, on pouvait améliorer. Mais là, je peux pas. Ça, c'est juste des stats. Ça aussi. On verra. Ok, on verra après. Je pense qu'on est encore au tout début du jeu, c'est normal. Ah non, my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. En même temps, t'as un dos nu. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Alors, qui est ce vieux monsieur? Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence, Cardinal Piaggi. He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simple. George Washington, President of the United States of America. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Maurras de Richer. It is an George honor Washington. To meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our Participe, Picard, t'inquiète, profite de ta douche. Avec les vitres. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet. And you'll see, most of the time, there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Riche's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result.
So, if I understand rightly, Monsieur de Richer, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? Lord Mortimer asked me to drop everything and come find my mother, who seems to have disappeared during her stay here. Ah. I took the first boat, and here I am. I'm so sorry. Don't be, sir. It's not your fault. Heureusement, le cardinal n'est pas là. I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Oh, merde. Good lord. Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the highest distinction of the order in the United States. It puts him on par with my mother. He must really know his stuff when it comes to the occult. Good evening, my friends. Holy shit. That's the man for my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apologies. He's asked me here, and he hasn't even turned up? Great start. Do you know that man? Sir Gregory Holme, an English aristocrat. Very influential. He's also close to Lord Mortimer. So don't be surprised if he acts like he's at home. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holme, but I have already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Yeah. Il y a plus de familiarité avec Washington quand même, hein? Alors que Holme. Ouais, mais Holme, il peut nous dire peut-être où se trouve notre mère. Lui, il le sait pas. Et on aura l'occasion de le voir plus tard, je pense. De quoi apprendre lui. My vision is more important. Let's follow home. I'll follow you, sir. Mr. Washington, I hope to speak with you at greater length on another occasion. Emily, please excuse me, but I would like to speak to Sir Holme. I shall see you later. Désolé, George Washington, je suis pas d'humeur pour parler aujourd'hui. My friend, I hope our dear Giovanni is well. The troubles in France have fatigued him, but he will recover slowly. Do not fear. He apologizes for remaining in Rome. The voyage was too much for him. And right he was too. The mildness of the Mediterranean, eh? Come, sit down and have something to eat, my friend. You look rather pale. Excuse me, sir. I have been neglecting my duty. I haven't introduced myself. Sir Gregory Holme, an old friend of Lord Mortimer's. A real pleasure, sir. You who must be well used to the court of France. How do you find this peaceful little haven? Charming, if I hadn't come here for disturbing reasons. Yes, I heard the news. What a story. Indeed. I wanted to ask you. You seem to know my mother well. Is that true? Who does not know of her, sir? She has such a wide circle that everyone knows your mother from a distance or close up. Everyone knows Sarah, my son. But you only know her by her reputation. I remember she once worked for the Crown of England and that she always honors her engagement. However, we have never been personally introduced, sadly. Well, if I'm to believe my vision, you're not going to get along with her. Thank you for your answers, Sir Holme. But I beg your pardon. I get the impression I know you. Have we met? Except in my dreams, of course. Not that I remember, young man.
Perhaps you are mistaking me for another member of the Chamber of Lords. What with the wig and the powder, it wouldn't be the first time. No, you were definitely the one I saw threatening my mother. I thought... Never mind. It'll come back to me. Would you allow me one last question, sir? I don't want to take up all your time. Please, go ahead. What do you want to know? Oh, une seule question seulement, alors. Ça, il saura pas du coup qu'est-ce que ma mère venait faire, je pense. Manque-t-il quelqu'un d'autre? Donc ça veut dire que... Elle aurait fait équipe avec quelqu'un? On va essayer celle-là, hein. Could my mother have had a problem with someone during her stay here? No, not at all. Your mother has always been charming company, and everyone got on very well with her. Not even a servant? Certainly not. Everyone gets on well with the famous Sara De Ricci, Mary. No! Elizabeth! Ah, elle ressemble à dans Ready or Not, la grand-mère. I should have insisted that you rest in your room. Do you want me to call someone? Let me handle this. I'm used to this kind of thing. Miss, can you hear me? Leave me. Her breathing is becoming stable and... Her heart rate too. Pale complexion, thin, broken nails, an enormous scar on her temple, tattoos on her hands. I don't know what happened to you, Missy, but it looks like you've been through hell. Can you tell me something about her? The dizzy spell is harmless, but her general condition is frankly alarming. You seem to know her. What is she suffering from? I don't know exactly, but her father sent her to us in the hope that she would recover all her faculties. It would appear she suffers from episodes of dementia. Is she aggressive? Sometimes, but only toward herself. She has never hit out at anyone else, I can assure you of that. She wasn't like that this morning. Something must have upset her. That's one way to put it. Poor girl's exhausted, but that's not the cause of her problem. Are you all right, Elizabeth? Do you feel any better? When did she arrive? 4 days ago. Okay. My mother had already gone missing. She's just regained consciousness and she immediately reaches for her brooch? I don't know exactly what it means to her, but obviously it's got to be something important. Are you all right, Elizabeth? You gave us quite a fright. Take it easy, miss. Let me... I just need to get back to my room. Of course, my dear. Go ahead. You saw it, didn't you? Pardon me? Insegne della bestia. Sorry, Your Eminence. I don't speak Italian. Forget it. It doesn't matter. Gentlemen, it's getting late. Je commence à croire que j'ai pas pris la bonne classe. It's been a long day. Oh, j'aurais tellement dû rester avec Washington. Marc, j'aurais pas vu cette femme, mais ça fait plus de questions que de réponses. C'est malheureux. It's all the more delicate. I'll see what I can do, but the case I'm on at the moment might well leave me with very few opportunities. Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Tu crois que j'aimerais pas vivre à poil dans la forêt? Bet my life that you were talking about something totally different from the decoration of the manor. But, to find out what, I should have stayed with them.
Ah, je regrette tellement mon choix, Pika. Ça y est, t'as Lord fini la Mortimer douche. Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But ouais. I must say, he does have some outstanding pieces. So, who was that young lady with you? Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Just mentioning Elizabeth totally changed Washington's attitude. Looks like he just saw a ghost. Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. Washington looks surprised, but Holm doesn't seem to see it. I wonder if he's being polite or if he really doesn't see his discomfort. On that note, it's very late. You must be exhausted. The servant will accompany you to your rooms. Ah, j'ai loupé tellement d'opportunités là. J'aurais dû rester discuter. J'en aurais appris plus sur ma mère. Oh. Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richer, will find your room at the end of the corridor. Ouais. Ouais, non, là, les vacances, je profite à fond, en fait. C'est surtout de pas avoir de... pas avoir une overdose de gens. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. D'avoir un mode de vie simple, en fait. Et ça m'a fait vachement bien. Right. Pour ça, je pense que dans le... il a dit au fond du couloir ma chambre. Mais on va fouiller un petit peu avant. Ça, c'est obligatoire. Mais ouais, non, ça va. Pourquoi il y a encore un coucou? C'est la deuxième fois, ça fait peur ce genre de ouais. Maintenant, faire des coupures, franchement, comme ça fait du bien. Puis là, ça s'est super bien passé à Lanzarote. Et je refais la même chose dans... Monsieur Napoléon Bonaparte. Fin du mois. Pardon? Non. Mais non. Napoléon Bonaparte. Y a qui encore après? Ce Jacques Perru. Damn, c'est la crème de la crème qui est ici, hein. Yes. Et toi, comment ça se passe? A few leaves out of an old encyclopedia. Ah, ça c'est de la gelée, non? Ah non, c'est de l'élixir encore. Tu te débarrasses de vos altérations négatives. Golden elixir. Consume without excess. Je sais pas encore ce que c'est, mais ce sera utile plus tard. The Quorum Guide. Bah, en fait, comment dire, c'est le... Ça me gêne pas trop de passer du temps avec des personnes que j'aime bien et quand c'est du quality time, tu vois, c'est quand c'est vraiment engageant, quand la conversation est stimulante ou même juste tu passes juste simplement du temps avec la personne sans forcément parler ou quoi que ce soit, mais c'est surtout le ce qui devenait beaucoup pour moi, c'est la quantité de monde, de bruit, de gens, de stimulation, de tout en fait quoi. Et ça devenait très très délétère même pour ma santé mentale, hein, j'ai envie de dire, et c'est surtout dans une grosse ville ou en région parisienne ou quoi que ce soit, c'est pour ça que moi j'avais besoin d'une grosse coupure en fait.
Et même là, en étant revenue à Paris, j'ai pas eu de chance. Quand je suis revenue avec le train est resté bloqué dans un tunnel à cause d'une panne pendant environ 6 heures. Donc coincé dans un tunnel à 5 minutes de Paris pendant 6 heures avec des gens très intelligents qui voulaient se battre avec les gars de la compagnie de train pour partir solo sur les rails, c'était comme retour de vacances par rapport à quand j'étais sur une île où il n'y avait quasiment pas grand monde, ça faisait un peu mal, je te cache pas. Période compliquée à commencer. Anniversaire de Tata Jacqueline et mois prochain pour les Noël sans elle. Ah ouais. C'est vrai que ça fait du mal toujours d'avoir ces anniversaires-là. Hein. Les premiers surtout. Les premiers, c'est vrai que ça fait un peu mal. Hein. Après, ça va peut-être ternir un petit peu les fêtes pendant un moment. Faut se concentrer un petit peu aussi sur le fait que tu passes les fêtes avec Mamita. Mais c'est pas évident du tout, je te comprends. C'est compliqué des fois de gérer. Hop. Je peux pas ramasser ce livre-là. Alors, il m'a dit que ma chambre était au bout du couloir, mais... Spécifique quelle partie du couloir, frérot, parce que... Le couloir, il est interminable, là. Ouais, les événements sociaux, hein, c'est pas évident. Ah, faut juste faire au mieux, quoi. Tu peux pas faire plus, tu fais au mieux par rapport à ce qu'il y a, quoi. George Washington. Aux personnes qui sont là, et vous essayez de profiter un petit peu. C'est pas facile. Surtout quand t'as l'habitude plus de personnes, enfin que ça fait des années que t'as des traditions ancrées et tout, etc. Ça fait mal. Après, vous allez instaurer d'autres routines. C'est ça aussi, c'est que tu finis par remplacer avec d'autres routines aussi. Et ça t'aide. Le lait royal. Hop. A ruble. C'est laquelle, ma chambre ? Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Ah, la voilà ma chambre. Alors attends, est-ce que j'ai tout ramassé ou pas? Bien sûr, il n'y a pas d'obligation non plus d'ailleurs, t'as raison. C'est à vous de trouver votre rythme, ou l'absence de rythme d'ailleurs. Mais il n'y a aucune obligation, faut pas se mettre de pression là-dessus, parce que ça vient comme ça vient en fait. Enfin, tu sens les choses sur le moment et tu crées des choses, ou tu attends certaines choses, ou quoi que ce soit. Enfin, tu peux pas trop contrôler en fait, tu vas avec ce que tu as et puis t'essayes de faire au mieux avec en fait. C'est le mieux que les gens puissent attendre. So what shall I do with this letter? It might be about my mother's disappearance. But if I open it, I'll be betraying Biagi's trust. What should I do? De toute façon, comment dire? En temps normal, si on n'était pas dans une situation d'urgence, je n'ouvrirais pas cette lettre. Mais là... Bon, après, il m'a quand même donné le contenu de la lettre.
J'aime pas. Et je sens que si jamais il veut nous donner plus d'infos, s'il voit qu'on n'a pas ouvert la lettre, qu'on a ouvert la lettre, justement, ça va être un bordel. Oh, j'aurais dû tellement prendre une autre place. On va la laisser fermer. On va la laisser fermer. Can't wait to open it, but I gave my word to Piaggi, so. Ah merde, trop tard. I'll wait until I hand it to Mother. Wow. Nice. Merde. J'ai vu ton message une seconde plus tard. Oh là là. Tant pis. Ouais, mais j'aurais trop voulu, mais j'aime pas. J'ai trop peur de. Parce que tu sais, c'est ce genre de truc où en fait tu fais un choix que tu penses que sur le moment ça t'apporte quelque chose. Et sauf qu'en fait, ça te ruine plus tard dans le jeu. Donc, je me dis, pour le moment, les persos, j'ai pas eu beaucoup de feeling. Ouais, c'est ça apporte de la merde. Et puis pour le moment, je connais personne aussi dans ce manoir. Enfin, il y a Emily qui a l'air d'être très très proche de nous, mais dont moi, je me rappelle pas. Et elle a pas l'air d'avoir, pour le moment, une tonne d'informations. Alors que le cardinal, pour le moment, oui. Et Washington aussi. Washington, on s'est pas encore compromis avec Washington. Donc on a moyen de lui grailler beaucoup d'informations. Par contre, attends, ça c'est ma chambre. C'est luxueux. C'est très luxueux. Alors on va regarder les peintures. Saint Jerome and the Angel. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. De toute façon, j'ai pas pris la place politique, mais c'est bizarre, ça c'est Chronos qui dévore ses enfants, ça non? Saturn devouring his son. Ouais. Again? I saw the same theme in the hall. I wouldn't like to be his son. C'est un choix de peinture très très chelou quand même. De toute façon, ça apporte toujours de la merde. Eau de mélisse. L'eau de Mélisse octroie l'effet concentré. Votre prochaine utilisation de compétences est gratuite. Vous ne pouvez pas emporter... Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien. Allez, let's go. Eau de Mélisse. Ça. J'espère qu'on va pouvoir l'utiliser à de nombreuses occasions. Alors, donc du coup, là, il n'y a rien d'autre à récupérer. Et ben, on va aller dehors. Oh, je peux aller dehors. Attends, je verrai après. C'est quoi? Je peux pas non plus! J'ai vraiment pris la mauvaise classe! Et merde! Allez vous coucher. On va fouiller toute la... Non! Ça a déclenché la cinématique. J'aurais dû aller sur le balcon. Et je fais full erreur. Le livre? Quel livre sur lequel? J'ai loupé un livre. Aïe. Autant les indices, je sais, parce que dans le baril, mais on pouvait pas fouiller. Mais... Le livre, j'ai loupé un livre. Sérieusement. Ah. Chier. Hop. Alors, en vrai, les amis, on est déjà à 2 heures de stream. Pour une reprise, c'est pas mal. Et je commence un peu à fatiguer moi-même. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça me semble pas mal. Pour le moment, j'apprécie beaucoup l'ambiance du jeu. Très très sympa, très... T'investis beaucoup dans l'histoire, même s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Et c'est top, en vrai. Et les personnages, je les aime bien. Mais j'ai mal géré mes choix pour le moment. Je trouve pas mon groove, là. J'ai loupé. J'ai loupé des trucs, c'est dommage. Mais très sympa. Et là, on a fait un épisode. Je sais pas combien d'épisodes il y a. On va regarder dans le menu. Hop. Est-ce que c'est là en gagnant de l'XP qu'on peut améliorer? Voilà, on peut améliorer à chaque niveau en fait.
Ah, ça veut dire qu'il faut que je choisisse maintenant. La politique, on en a eu quand même beaucoup besoin. J'ai combien de points? J'ai 4 points. La linguistique aussi, on en a eu beaucoup besoin. Ça aussi, on en a eu beaucoup besoin. Ah, je sais pas, hein. Ouais, on va essayer d'avoir un maximum de choix. Ok. Non, c'est celui-là le plus intéressant. Ok. Voilà. Chaque livre que vous lisez vous confédérera. Oh, donc on va pouvoir lire tous les livres qu'on a fait avant. Parfait. Eh ben écoutez, on verra ça la prochaine fois. Et je vais voir si je peux vous envoyer sur un stream de quelqu'un. Il est où mon téléphone? Il est là. En tout cas, merci beaucoup. Ah, elle est en live. Bah écoute, parfait. On va raid Magdaddy 12, let's go. Alors, si je sais comment faire une commande de raid. Ouais. Et donc du coup, le prochain stream, ce sera jeudi. Et on va continuer Spider-Man Miles Morales, histoire d'essayer... Pardon, excusez-moi. De finir des jeux, parce que là j'en commence un peu trop sans en finir. Et pour les streams de ce week-end, pardon, je ne sais pas encore, normalement ils sont maintenus, mais j'attends une réponse ou potentiellement, je vous avais dit, j'ai peut-être une indispo. J'essaie de vous dire ça le plus vite possible, mais j'ai pas encore de réponse définitive. Donc, possible annulation des deux streams de ce week-end. Pour le moment, non, on considère qu'ils sont maintenus. Et on va pouvoir commencer Assassin's Creed Mirage que t'avais commencé aussi toi et Pika et après continuer Miles Morales. Donc voilà sur quoi on part en ce moment. Et j'avais montré au début du stream la liste des jeux que je voulais faire et il y aura un jeu d'Halloween aussi, ça Pika. Je mettrai sur Discord, vous pourrez voter sur un jeu d'horreur à faire. Ça peut être un jeu que j'ai déjà fait vu que j'ai plus les let's play. Donc je pensais à The Quarry notamment. En tout cas voilà. Bisous à toi aussi. Merci d'être passé, prends soin de toi. Et à bientôt, bye bye.